Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'épisode 36 de notre aventure sur Tears of Kingdom. Et donc, on s'était quitté là, voilà. Ici, on avait commencé à buter le boss. Et puis voilà. On avait commencé en fait à buter le boss. Et on avait vu qu'on n'était pas assez stuff. Du coup, là, on va refaire du stuff. Je surveille le temps parce que il peut avoir de l'orage à tout instant. Il y a du mob là-bas. Les chefs Bokoblin. On va vite aller dans une autre direction. Oh bah, dans une autre direction, c'est pire. Là-bas. Il y a une racine, je crois que c'est celle qui. Alors il faut savoir que les racines en fait sont reliées à des sanctuaires. Alors ça je savais pas du tout. Chaque racine est reliée à un sanctuaire en surface. Voilà. On a pris ce qu'a dit notre cher ami RVV. Ça je savais pas du tout, tiens tu vois. Voilà. Un coffre. Alors désolé, j'ai des allergies en ce moment, je suis allergique au pollen. Voilà, désolé. J'espère que on n'entend pas trop. J'ai mis un ventilateur juste à côté pour éviter de transpirer des litres. Et donc voilà. J'espère que ça s'entend pas trop. On va prendre ça. On va se prendre. Est-ce qu'il y a des hélices? Là. Mais attends, je crois que j'ai le duplicata qui peut faire quelque chose là. Alors. Duplicata. Hop. Aéronef. Il en faut 3. D'accord. Je crois que j'en ai que 2. Merde. Là. Qu'on a un volant. Super. Pas pourquoi il est. Attends, je vais. On va aller activer la racine qui est de l'autre côté. Toc. Toc. Si on a une troisième, ça serait cool. Ouais, c'est quelque chose. On va mettre des. Là, c'est pour glisser normalement. Attends, c'est ça. C'est des roulettes. Non, c'est des roulettes. Enfin, c'est des plateaux avec des roulettes. Hop. On va prendre des batteries. Hop. Voilà. Donc, on va tout disposer comme ça. Peut-être qu'on peut voir les cheveux voler, je sais pas. On va les disposer bien comme ça. Attends, à mon avis, est-ce qu'il y a des sens? Non, il n'y a pas de sens. On va prendre le truc là-bas. Faire une belle construction comme ça pour l'enregistrer. Ah non. Attends, on va faire comme ça. On va la retourner. Hop. Ensuite, ça, on va y mettre dans l'autre sens. Là. Ensuite, ça, on va y mettre dans l'autre sens. Ouais. Ici. Ensuite, ça. On y retourne. Attends, on va faire une machine de guerre, les amis. Ensuite, ça. Je sais même pas si ça va marcher. Ça, on va y mettre ici. Ça, on va y mettre de l'autre côté.
L'œil qui rate, ça arrive. Ça, toc toc. Ah merde, comme ça. Ah, il est pas posé celui-là, tiens, il est pas collé. Bon, si tu veux. Bon, moi j'aime bien les trucs qui sont bien faits. Bien les trucs qui sont bien asymétriques et tout. Hop, ensuite on va aller prendre les propulseurs. Comme ça, on va en coller un ici. Ensuite, on va en coller un. Non, mais. Rocher 2. De mes deux, quoi. Hop. Toc. On va foutre ça, je sais pas où là. Hop. On arrive bientôt. Un gouvernail. Non. Il est où le gouvernail? Là. Quoi, c'est l'une de mes plus belles constructions pour l'instant. Hop. Ensuite, on va prendre deux propulseurs. Bah, ils sont là. On va les mettre sur les deux côtés. Oh putain. Ça, on va coller là. Pourquoi ça veut pas monter? On va y coller là. Ensuite, ça, on va y coller ici. Alors, hop. En fait, celui-là, il est bien mis et c'est l'autre qui n'est pas bien mis. Voilà. Et ça, va partir dans le truc. Y. Voilà. Ok, ça c'est après, vous avez toutes les historiques. C'est la favori, celle-là aussi. Voilà, ça dans les favoris. Et ça apparaît en premier. Les avis, je sais même pas si ça va marcher. Je vais dans les favoris, mais en tout cas. Oh, je suis trop fier pour l'instant. Allez, c'est parti. Et bon. Ça a l'air insupportable. Comment ça? Donc, on cartographie tout ça. Et t'en repars de l'autre côté. Alors, on est bloqué. Allez. Pour le fun. C'est parti. Non. C'est bon. En fait, t'as marché. Oh.
On va aller explorer autre chose, là. Bon, on a débloqué. Oh, on commence à débloquer l'abîme, tiens. Ça, c'est cool. C'est quoi ça? Emplacement marqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est. À mon avis, c'est pour l'autre, là, Igas, là. On va aller à la surface. Et voilà la surface. En fait, j'aimerais bien avoir de la bouffe. C'est ça que je veux voir. On va aller au village Piaf. Il fait froid. Très bon pour la santé. Et c'est bon, y a pas d'orage pour l'instant. Non, parce que ça arrive vite chez nous. Hier, on a eu de l'orage. D'ailleurs, il y aura une vidéo d'orage. Ouais, il y aura une vidéo d'orage hier. Il y a eu pas mal de... Il y a eu des impacts qui étaient pas mal quand même. Ok, je vous mettrai ça tout. Je vous mettrai ça au. Voilà, on a de l'argent. Tiens, des flèches. Champignons. 64. J'avais pris des photos de recettes. Attends. Ça, on y... Non, ça, il va pas effacer les selfies. Hop, hop. Elle a une recette. Une recette. Attends, oui, là, il y en a plein encore. Là. Ici. Là, 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 là. Et effacer. Alors, on fait voir. De l'huile, du riz, et steak. Ah, steak. Des œufs. Et là, c'est tomate, sel et lait. Ok. Bon. On verra ça plus tard. Belle photo. Pour les effacer quand même. Ah ouais, il y a une marmite là, quelque part. Est-ce qu'elle est la marmite? Il y a des potions là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Ah ben, allez voir au village d'Elmite là. Attends, il est où? La carte, elle est bien vide. Là, village d'Elmite. Et je sais qu'il y a Nakala et aussi autre chose. Ouais, on va faire ça. Je crois que c'est... Ici, normalement, il y a un laboratoire. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il faut y aller tout à pied. Ok. Ouais, il y a encore des tours à débloquer, il y a encore des... Ouais, il y a pas mal de... Ouais, on va faire ça durant cet épisode. On va faire ça. On se trouvera des... Du stuff en plus. Là où il y a un relais, on va aller le voir. Salut chevaux. Faut savoir une belle armée là.
Là-bas, il y a un sanctuaire. Voilà, loueur là-bas. Pour louer. C'est quoi ça? Que dalle. Bon. Ah. Exprès. À moins t'en tues un, tout le monde s'en va. Hein. Vraiment. Fais pas ses balles. Ah, fais pas ses balles. Tiens, il joue. Oh, d'accord. Tant pis. Annule, annule, annule. Faut voir cheat, quoi. Ouais. On a fait de la viande. Hein, notre oiseau là. Oh. Un pélican. On dirait que ton frère aussi d'un nain. Près d'ici, il y a une divinité équivée d'un laboratoire. Divinité équine. Et un laboratoire pas très net. Mais c'est sûr que j'ai un nain. Et même si ça se couche, moi je reste près de l'action. Bien, je pars devant. Laboratoire d'Akala, village de zéro. Relais de l'Est d'Akala. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est les gigas, ça c'est pas bon. Accès au laboratoire interdit. Tout contrevenant s'expose à un châtiment exemplaire. Sanctuaire. Attends, fais voir. Sanctuaire, je machin truc là. On va l'activer. On va pas le faire. Juste d'avoir un point de téléporte. Oh, il y a du monde là. Est-ce qu'il y aurait un moyen de passer par en dessous? Oh, il y a du vent. Super. Du coup, manier avec la paravoile, ça va pas être facile. À mon avis, attends. Bah, contrevent, t'imagines. C'est quoi ce bruit? Je veux sachez qu'on est vers la limite de la map, non? Non, c'est la plage là en bas. Oh, il y a quelque chose. On va aller voir sur la plage. Enfin, il y a des trucs sympas. Bah oui, un sanctuaire par exemple. Hein? Non.
Un peu d'argent. Alors ça, pour ceux qui se demandent, ça c'est je pense dire un labyrinthe. Voilà. On fera un épisode où on fera les labyrinthes. Non, merde. C'est pas grave. Ça fait un peu perdre du temps sur l'épisode, mais c'est pas grave. On va en mettre là. Là, j'ai pas vu. Le pouvoir de flottaison. Encore. Ça va y remettre là. Encore ça? Ça, c'est une balle qui flotte. Ah, faut couper la corde. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je sais ce qu'il faut faire maintenant. Ouais. Sur la plaque. Ah mais non, on peut pas. Dis, tu la colles. Ah non, c'est pour ça. Oh putain, quel con. On a une saute quand on te le dit. Putain. Ah, attends, tu sautes. Voilà. Pour récupérer la balle. Oh putain. Oh, je buguais. Allez. Essayez de l'avoir avec un bug normalement. Normalement ça marche avec un bug ou au pire. Attends, on l'a redécollé. Ah oui, au pire, ouais, je peux la coller directement là. Voilà. Oh, deux boules. Ouais. Oh, j'aurais fait un radeau. Normal. Oh, c'est là. Ah ouais, je l'ai pas collé celle-là. Non, ça marche pas. Alors, voyons voir. Bon, on va les coller de chaque côté. Bon.
Oiseau. Ça marche? Ouais, ça marche. Pourquoi il y a un gros bouton là-bas? C'est bon, ça avance. Limite, on aurait pu aller à la nage. Hein. Bon, t'as vu. Là, il faut... Ça ne suffit pas. Il faut mettre le machin. Pour ça, en fait. En fait, ils ont mis ça exprès pour qu'on le fasse un bateau. Ah, les salauds. C'est fourbe, là. Ça, j'aime pas ça. Ça joue fourbe comme ça. Ouf. Oh. En plus, deux cœurs pour avoir les 13. Bon, normalement, normalement c'est pas la peine, mais bon. Vu que l'épée de légende est normalement sur un dragon blanc qui survole les cieux. Voilà. Ouah, là-bas, il y a des... D'accord. Là-bas, il y a la mort. En vrai, un ami m'a dit qu'il y avait une grotte par là. Peut-être qu'elle est par ici, hein. Attends. Non, on va être obligé de... On va être obligé de... Oh putain. Ouais, attends, on va se re-téléporter ici. Il est là. Ok, il n'y a plus de soleil déjà. Renvoyer la fenêtre, ce qui fait encore plus chaud dehors que dedans. Donc on va éviter. Quoi ça qui veut? Ah, ça doit être une grande fée là. As-tu mis le rubis? Pas que c'est ça, hein. As-tu mis le rubis? La Oumane. As-tu mis le rubis, s'il te plaît, pour me... Hein? Pour me redonner les pouvoirs nécessaires. Donc, moi, je suis pas riche, hein, donc j'ai pas mis de rubis. Ça, ça y gasse. Oh, il... On va aller voir ça. Si fin, quelqu'un donne juste une. Si fin, carotte de vigueur, quelqu'un. Carotte de vigueur. Succulente carotte. Pousse moins loin au sud-ouest sur le mont Satori. Si fin. Bon, enfin, il faut pas leur donner des rubis, parce que ça, c'était abusé, par contre. Ouais, il fallait leur donner des rubis avant. Et 1000, en plus, ça était mal, mais en plus, c'était bien payé, hein. Ah, moi, il y a une grotte pas très loin d'ici, c'est un pote qui me l'a dit. Et tu peux directement te re-téléporter dedans. Je sais pas si c'est là, hein, par contre. Hein, non, à mon avis, c'est pas là. Bon, on va y aller en mode legit. Ah ouais, il y avait une petite grotte, là.
Comme un peu ouais, celle-là, là comme ça. Ah, raté. Ça arrive, ouais. Ouais, j'arrive là. Et il pleut. Même dans le jeu. C'est quoi là, ces derniers avertissements? Je sais pas. Hein, je prédis les panneaux. Ouais, dernier avertissement. Toute personne extérieure au gang surpris dans cette zone s'expose à un châtiment immédiat. Par l'épée, je sais pas ce qu'il y a. Et où l'autre là? Aïe! Tiens, viens là toi! Tiens, merci pour le sabre! Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils donnent des sous. Hop. Et des bananes. C'est bien ma chance. Je suis désolé, je me plaindrai plus, promis. Mais je mets à la confession des uniformes. Eh hey, mais, t'es pas Igas, toi. Ouais. Si. Il est venu me sortir de là. C'est si je n'ai pas vraiment fait pour ce trois. Au fait, je suis plutôt habile de mes doigts et en plus j'ai des styles. C'est bien là le problème. Les gars ont capturé, ils m'obligent à leur confectionner des uniformes. Du coup, je me retrouve à m'écouter à la tâche pour fabriquer des tenues moches. Juste au corps, les gars. Ah, ok. C'est moche, un ensemble complet, on te prendra peut-être pour Aigas. C'est pas tout, mais moi, je décampe avant que quelqu'un ne remarque quelque chose. Ils m'ont attrapé une fois, mais ils m'auront pas deux fois. Dites foulé, brassons un, voilà, etc., etc. Merci pour tout, l'ami, à plus. Des coffres. Oh. L'amulette, c'est pour se téléporter où on veut. Attends, je crois que tu la poses une fois et après ça te permet de faire un point de téléportation. Bah, comme ça, on pourra la mettre au village de zéro, comme ça, y a pas de problème. On va prendre une épée, celle-là, pour casser le carton. Même pas. Alors celle-là alors. Une flèche. Une flèche. Deux flèches. Il y en a des Igas. Bon, on fiche. Ah c'est là où il y avait l'amulette de téléportation. Attends, on va monter peut-être, il y a des choses à voir. Non, il n'y a rien à voir. Est-ce qu'il y a des choses là? Oh, trop bien, on a la mulette de téléportation au moins, ça peut bien servir.
Ah, y a rien d'autre. Torche. On va aller au village de zéro. Il est quelque part ici, là. Hop, on va se téléporter à ce sanctuaire et aller... Je pense qu'on pourra mettre la boulette de téléportation. À part d'aller au fort de guerre, je sais pas. On verra bien. Bon, comme ça, on pourra en faire le stock. C'est pas le stock, hein, c'est le stock. Ça permet quand même d'aller loin, ce machin. Village 2-0. Le prototype d'un millet de départ de nos enfants Faras est inutilisable en l'état car il lui manque des données. Oh putain. De toute façon, c'est là on va la mettre. Hein. Parce que c'est là, en plus, je l'avais mis dans l'ancien jeu. Et c'est pratique. Et c'est très pratique. En fait, pourquoi je le mets là? Parce que ici, vous voyez, il y a déjà des points de téléportation. Village d'Elmi, village Cocorico, village Piaf et tout ça. Ils ont déjà des points de téléportation avec des sanctuaires. Sauf que celui-là, il en a pas. Et c'est l'un des villages les plus importants. Voilà. Enfin, il y a celui-là, mais bon, il est loin. Si vous mettez la mulette de téléportation juste ici, ça vous fait comme si vous avez un sanctuaire sur le machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Générateur. Artefacts sur Nao disponible. Et... Oh, ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, au fort de guet, pour aller... pour dire... ouais, ouais, j'ai la mulette de téléportation. Le problème, voilà, il manque des données, du coup, on va aller voir tout ça. Juste le machin. Vers, normalement c'est vers, ça tape vers 18h-19h. Hier c'était comme ça, 18h-19h, par là ça commençait à tomber. Bel impact en plus hier. Ouais. Bel impact hier sur Instagram, j'ai mis une photo. Ouais, il est là Faras. Bonjour, c'est charmant d'avoir dit tout à fait charmant. Tu sais pas. Il y a là des choses dont tu vas absolument... dont tu as absolument... Ah! Ici, il y a bien une chose dont tu vas avoir besoin absolument pour retrouver la princesse Zelda, c'est la tablette proie. Il faudrait que tu puisses utiliser le détecteur de sanctuaire au plus tôt, mais impossible de configurer la tablette dans un endroit aussi mal équipé. Bon, ça va. Un laboratoire proie, village d'Elmite. Ce laboratoire concentre ses recherches sur la tablette proie que proie et moi avons développée. L'étourdissage pourra améliorer encore plus la tablette et son détecteur de sanctuaire. Pour y aller, c'est simple. Au sud-est, bon, là. Et au bout de ce village, on trouve un bâtiment, somme toute plus étrange, mais c'est un laboratoire de pointe. D'accord, je vais rester encore un peu, j'aimerais voir où en sont les recherches de Joshua. Tiens, monsieur chevalier. Ton aura semble avoir changé. Ne me dis pas que... Duplicata? Le pouvoir de répliquer instantanément ce que tu aurais déjà fabriqué. Ça marche avec tes plans d'assemblage. Alors, je vais te pas tromper. Il y a bien un temple Sonao ainsi qu'un mystérieux pouvoir dans les profondeurs. Ça me faisait penser à quelque chose qu'on a récupéré dans les profondeurs de la Terre. Je vous parle, reviens tout de suite. Non, pas ça. Non, mais... bordel, voilà, là-bas. Ah, voilà. Tiens, ce chevalier. Oh, travers d'assemblage. Qu'est-ce que c'est ça comme blanc? Montgolfière. Père. Je crois que c'est un plan d'assemblage pour une montgolfière. Donc si tu l'utilises avec du briquet, ça veut dire que tu obtiens une montgolfière. Oh, j'ai une super idée. Oui. La montgolfière qui se trouve juste là appartient à Faras, mais elle est cassée. Je pourrais peut-être la réparer avec ton duplicata. Oh, j'ai hâte de voir ça. Donne-moi une seconde, je me prépare. Oui, oui. Ça y est, monsieur le chevalier, tout est prêt.
Montre-moi comment tu utilises le propulsé, toi. Donc, pour ce, bon, c'est une espèce de tuto, voilà. Tubekata, celui-là, donc là j'ai un plan. Il calcule, et en fait, il détermine si j'ai les bons matos, et on fabrique. Voilà, tu as réparé la montgolfière, elle est comme neuve. Incroyable, ce point mystérieux bouleverse toutes les règles de la technique moderne. Pharas? Allons, allons, pourquoi écris-tu comme ça? Oh, incroyable! Ma montgolfière est réparée! Comment dis-je? Il ne peut pas s'agir du mystérieux pouvoir de la civilisation Sonao. Je pensais pas voir ça un jour de mes propres yeux, mais c'est grâce à toi. Tiens, laisse-moi te donner ça pour te remercier. Sonao supérieur. Okay. Je n'ai toujours pas compris ce qu'on pouvait faire exactement. Et vu la lumière que ça a émis, c'est forcément d'origine Sonao. Et comme tu utilises des pouvoirs Sonao, j'avais vu juste, il y avait bien un incroyable pouvoir caché dans les points de Canada. Mes recherches ne sont pas terminées pour autant. Qui sait, peut-être je finirai par retrouver une. Ok. De ton côté, monsieur Chevalier, n'oublie pas de me prévenir si c'est vous ou quoi que ce soit des profondeurs. Tu as encore besoin de moi, monsieur Chevalier. Hein? Tu as vu Koga, le chef du camp de Higas? Tu as dû courir sans danger, inouï, monsieur Chevalier. C'est pas tout. Non, si tu veux me suivre. Appelle-moi Link par monsieur Chevalier, c'est chiant à dire, c'est chiant à lire surtout. Oui. Donc, tu disais que tu as rencontré Koga, des camps de Higas dans les profondeurs de la Terre. Le camp de Higas est une organisation très dangereuse dont la seule raison d'être est de nuire au royaume d'Hyrule. Koga voulait autrefois prendre la vie de Dame Zelda et aussi la tienne, monsieur Chevalier. Non, si on l'arrête pas, j'ai peur qu'il revienne nous nuire tôt ou tard. En plus, comme il est obsédé par Dame Zelda, il a peut-être des informations qu'on n'a pas. Si tu décides de partir à la poursuite de Koga, monsieur Chevalier, non. Et à propos, j'ai reçu un rapport concernant les découvertes effectuées dans la forêt du temple sur la plaine d'Hyrule. Un abîme avec de nouvelles statues y a été trouvé. Des statues en question sont différentes dans ces lieux. Apparemment, elle forme une enfilade qui se poursuit en direction du sud-ouest via le temple de Nipikata. Si on est au-delà du temple, je vais continuer à rassembler les enfants. Si on veut. Okay. Des esprits. Toi qui t'adresses à moi. Après que je suis un être qui guide tous les esprits vers l'au-delà. Montre-moi un esprit afin que je continue vers l'au-delà. Oui, c'est bien ce que je cherche. Les esprits sont de pauvres êtres qui se sont perdus au chemin qu'hier dans les profondeurs de la Terre. Les esprits perdus et retournés dans l'autre monde. Depuis qu'on m'a transformé à la surface, je ne puis reposer moi. Mais grâce à toi, je peux à nouveau accomplir ma mission. Accepte ceci. Ah, ma tête, qu'est-ce que c'est que ça? Remets-moi encore davantage d'esprits et je te récompenserai comme il se doit. Voilà, 150. Ok, en fait, c'est de la... D'accord. Ok. On a marre combien? 99. Ouais, quand même. C'est cher. Stink, c'est déjà bien. J'en avais plus de 200. Mon renard se trouve mes frères, dont les âmes résident dans des statues bien plus grandes que moi. Si tu veux les rencontrer, n'hésite pas à leur confier des esprits. Remets-moi 10 esprits et je te révélerai l'endroit de mes frères. Les esprits sont à présent avec moi. Je vais te révéler l'emplacement d'un de mes frères dans les profondeurs. Rends-toi à l'endroit que j'ai indiqué sur ta carte. Cherche mes frères et les esprits errants dans les profondeurs de la Terre. Allez. On va y aller, hein, à mon avis. Statue de génie. Ouais, ben voilà. Donc, on retourne dans les profondeurs. On retourne dans les profondeurs. Allez.
Bon, il s'ouvre dans quel sens? Ok. C'est par sud. Par là. Au journal. Note sur la table. Il fait noir comme dans un fou ici même, mes lunettes noires. J'aurais dû prendre quelques graines dans les poings. Elle a pas l'air dangereuse. J'ai réalisé ça. Ok, d'accord. Ah, c'est par là. Un peu plus comme ça, non? Ouais, là c'est tout droit. Belle manière de s'y offrir, vous voyez. Donc en fait, les esprits. Ok, donc ça sert à ça. Au moins, on saura ce que c'est les esprits. Ah ouais, il y a une racine. Musique angoissante là. Ok, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas bon, ça. Pas les esprits, hein. Ah non, c'est bon. Non, vous inquiétez. Ouh! Ça c'est dangereux. Bon, ça. Non, pour tirer des flèches, on va pas utiliser ça. Avec des graines. Est-ce que j'ai des graines lumineuses par là? Bon, je vais passer là. C'est bien de mettre du rouge de partout, mais comment on va passer là? Non, parce que là, je dead, hein. Utiliser la parabole. Ça me gêne. Comment faire bugger le jeu? Ouais. En fait, là, je force le jeu. Comment, jusqu'à où? Ah, ça c'est chiant ça. Ah, c'est chiant quand y a rien qui se passe comme prévu. Et là. Ah, ça m'énerve. Normalement là c'est bon, allez vite. C'était chaud. Attends. Une barre rouge là.
Ah, il y a du monde. Ah oui, il y a du monde. Oula, ça passe pas là. Là, ça passe pas. Non, ça passe pas là. Là, je meurs 8 fois là. Retard. Ah, quoi que. Vas-y. Si je passe, j'ai assez de cœur. C'est bon. C'était chaud. Oh merde. Giga Tracien. Ah, peut-être régène, non, avant? Ouais, je peux pas. Moi qui voulais pas user de la bouffe, c'est pas grave. Normalement, si je l'active à temps, il va partir. C'est bon, il part. Et ça relie. Super. Il est où l'esprit? Par là. Par là. Attends, je crois que... Je sais pas s'il y a les éléments pour. On va essayer. Quand tu te mets au centre, là. Non, duplicata. Ça. Ah bon, en fait c'est bon, j'avais même pas vu. Mente, putain. Ouais, ça se sombrit là. Comme quoi ça? Ouais, je sais, il s'enferme. Mais quel con. Ça, ça m'énerve ça. Quand, le jeu, il t'écoute pas. Ouais. En vrai, ça coûte la vie, hein, en plus, ça. Où le machin pour faire qui est là? On va prendre de l'argent. En plus, c'est de l'autre côté. Putain. Ah, mais oui, c'est l'autre construction, là. C'était juste ça. Ah mais ça, d'accord. Okay.
Ah bah en fait on est allé trop loin. Non, c'est juste en dessous. Doucement, 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 doucement. Bye, derrière le boost. En fait, ok, je l'ai vu où est-ce qu'il était. Là-bas, il y a du repérage là-bas. Il est là. Statue de génie de la plaine. Elle est où? Ah, elle est là. Toi qui t'adresse à moi. Présente-moi une offrande. Apporte-moi des esprits afin que je comprenne. C'est bien. Avoir déjà rencontré au moins un de mes frères. Attends un instant. Notre pouvoir a permis de recréer la tunique des ténèbres. Je t'en ferai gâteau si tu m'apportes une offrande satisfaisante. Tunique des ténèbres, 150. Ah oui, ça, j'avais trouvé ça dans un coffre, c'était au début. Bon bah les amis, on va se quitter là. Ouais, je sais que ça fait pas longtemps, mais on va se quitter là. Là-bas il y a une autre assise. Ah, mais il y a aussi la mort là-bas. Du coup les amis, on va se quitter là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lance à mon avis. Oui, il y a de l'orage, ça y est. Ah, ça commence. Ouais, c'est... Distance de lancer. Du coup, les amis, merci de m'avoir suivi. J'arrête vite parce qu'il y a de l'orage. Et donc, j'ai pas envie que mon PC crame non plus. Du coup, merci de m'avoir suivi, les amis. Et je vous souhaite à tous de bonnes continuations. On va s'arrêter, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!